Hey, salut à tous, c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, vidéo effectivement qui était, je pense, assez attendue, comme on en avait parlé dernièrement sur le live sur Bleach, puisque là, il s'agit effectivement des invocations sur le portail God Tier, propre aux 150 millions de téléchargements du jeu dans le monde. Ni plus, ni moins. Le portail God Tier, qu'est-ce que c'est? C'est juste une bombe atomique composée des persos les plus fous furieux de ce jeu, tous les plus gros persos les plus fumés, ils te les ont mis dans ce portail. Mon dieu. Alors, pour pouvoir faire ça, en fait, on en avait parlé un petit peu de Dokkan Battle, je vous disais, bah, pour le portail God Tier, j'ai 78 tickets, est-ce que c'est beaucoup? Et il y en a parmi vous qui m'ont dit, bah ouais, c'est énorme, t'as dépensé 3900 Dragonstone. Je commençais à me dire, attends, mais 3900, mais pas pendant la période de l'événement, c'est bizarre. En fait, c'est moi qui ai mal compris les règles de l'événement, parce que je pensais que c'était sur une période clé, c'est-à-dire ça commence d'une date A, ça se termine à la date B, et le nombre de pierres de dragon que t'as dépensé entre les deux, bah ça te donne un certain nombre de tickets, c'était un ticket par tranche de 50 pierres de dragon dépensées. Et en fait, non, du tout, ça marche pas comme ça. En fait, c'est depuis que tu joues au jeu que toutes tes pierres de dragon sont comptabilisées. Donc effectivement, ça fait une masse, moi, des pierres de dragon. Alors, on te parle pas forcément des pierres de dragon que tu as acheté avec de la pépette. On te parle aussi tout simplement des pierres de dragon que tu as gagnées dans le jeu. Donc moi, des pierres de dragon, j'en ai quand même gagné pas mal dans les premiers temps. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Comme là, vous voyez, depuis la dernière invocation, j'ai réussi à me remettre une trentaine, quasiment une quarantaine de pierres de dragon de côté. Mais non, c'est que toutes les Dragonstone, depuis que tu as commencé le jeu, elles sont prises en compte. Dès lors que tu en as dépensé minimum 50, tu gagnes un ticket. J'en ai 78. Alors du coup, je sais pas du tout comment ça va marcher, le système single. Bon, single, si, ça m'en donnera une, mais c'est le principe de la multi. Parce que j'ai 5 tickets, donc c'est quoi? C'est 5 persos qui tombent? Je sais pas exactement. Donc on va juste commencer par une multi, je voudrais voir ce que ça donne. Et surtout, bon alors, voilà, si je devais en sélectionner, je voudrais prioritairement le Vegeto et le Goku SSJ Blue Kaioken, le Jubai Kaioken, pour pouvoir compléter ma team agilité. Et surtout, ce que je voudrais obtenir, c'est après des persos type le Goku SSJ 3 agilité, puisque j'en ai besoin pour pouvoir maxer notamment son arbre de compétences. Allez, let's go, on commence par la première multi-rabo. Après bon, je vais voir comment ça se passe avec la multi, mais sinon je pense qu'après je ferai que des singles, hein, on va pas s'emmerder. On va voir exactement comment ça se passe. Alors, on espère avoir un peu plus de bol que sur le portail Bleach Brave Souls là, parce que... Oh, déjà ça commence fort, deux capsules, relâche arc-en-ciel, il se transforme. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Allez, qu'est-ce que tu me sors là, ça y est, 1, 2... Non, ah, j'y ai cru, hein, mais un petit coup de lag après le SSJ2, j'y ai cru. Mais non. Alors, qu'est-ce que tu me sors là? Tu me sors du Paragus, c'est Paragus, quoi, c'est ça, c'est le père de Broly. Ok, du Paragus, on s'en bat les rognons. Tu me sors du Vegeta, a priori, c'est même du Super Vegeta, si je dis pas de conneries, non, c'est du Vegeta. Ah, c'est Super Vegeta, non, Vegeta, simplement. Qu'est-ce que tu me sors d'autre? Du Guldo, ouais, d'accord, la gueule. Et sinon, t'es à ton maximum, là, avec C19 aussi, non, mais ça va, t'es au max, là. Ils sont où, les God Tier, là? Et c'est 17. Bon, première multi, pas bien. Je reviens vite fait sur ce que je disais à propos de Bleach, quand je disais j'espère avoir plus de bol que sur le portail de Bleach. Je préfère le dire tout de suite parce que je sens que je vais avoir des Jean-Michel rageux qui vont venir me dire « Ouais, moi j'ai dépensé tant d'or, mais moi j'ai rien eu, bah j'ai un minule. » Bon, hop, on se détend. C'est vrai que moi j'avais commencé à prendre le rythme d'avoir un certain nombre de persos assez baisés dans mes invokes de Bleach. Et puis là, bon, je vais pas dire que je suis déçu, attention, je m'estime quand même très heureux de ce que j'ai eu. Mieux que la C18 SR sur laquelle je viens de tomber à l'instant. Mais... voilà, quand tu t'habitues à un certain niveau, tu vois, voilà, bah t'es quand, subitement, quand t'as 10 fois moins, bah ça te fait tout drôle. Mais bon, après, il n'empêche que, voilà, je suis quand même très satisfait de ce que j'ai eu, et surtout, je compatis avec ceux qui n'ont rien eu. Bon, déjà, là, j'ai vu le petit Satan par la gauche, là, lui, il régale, là. Te transforme pas. Merde. S'il se transformait pas, c'était le bye-bye, les gars, assuré. Bon, là, il se transforme, c'est chiant. 2, ouais, fais-moi un petit 3, histoire de me faire plaisir. Non, culé. Ah, oh, j'ai une tronche, mon pauvre. Je vois ma gueule dans le retour de cam, c'est ignoble. Bon, de toute façon, d'une manière générale, j'ai beaucoup moins de bol sur Dokkan Battle que sur Bleach. Hein. Là, Bleach, bon. Après, je sais ce que vous allez me dire, c'était un portail avec un taux de drop de 5 étoiles doublé, machin, bidule et tout ce qu'on veut. Là, c'est un portail régulier. Mais bon, enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, s'ils sortent des portails God Tier, c'est au moins pour que t'en aies un, quoi. Moi, je me vois mal passer tous mes tickets sans avoir au moins un God Tier qui va tomber, quoi. Et de préférence, bah, ceux que j'ai cités tout à l'heure, quoi. C'est pas vrai, c'est Guldo dans une autre pose. Fou de ma gueule. Oh, relâche arc-en-ciel. Ah, il s'est transformé. Là aussi, c'est pareil, sur les relâches arc-en-ciel, s'il se transforme pas, bah, il y a un gros potentiel de bye-bye, les gars, dans l'histoire.
après il le lâchera pas le Saiyan 3 l'enculé. Il le lâchera pas hein. Alors qu'est-ce que tu me sors? Oh, se pourrait-il que... Non, non, il se pourrait pas. Par contre celui-là je vais le garder je crois. Attends c'est lequel? C'est le agilité? Ouais c'est le agilité, je crois que c'est celui qu'on peut équiper ensuite en comment ça s'appelle? En Great Saiyaman. Si c'est lui je vais le garder, tiens je voudrais mais ça me fera perso. Attends. Ah ouais. Le sel et CSR Tech là qui tombe comme ça, gratuit. Ah ouais. Bah ok, bon je l'avais déjà, à la limite bon je m'en balèque. Mais je vais le mettre de côté pour l'arbre de compétences de sel. Bon c'est pas pour ce que je m'en sers, mais bon il suffit qu'à un moment donné j'ai besoin de me constituer une team extrême tech. Bah écoute, il fera le taf, hein, des dégâts colossaux, qui plus de attaque plus de 2005 sur le type tech. Moi je l'ai déjà d'Okan, je l'ai déjà et je l'ai déjà d'Okan mon sel tech, donc bon. Bon écoute, au moins on va pas se plaindre, certes c'était un perso de la fin de la liste, mais au moins c'était un perso du portail. Bon, au moins un SSR qui est tombé. Pas forcément celui que j'aurais voulu, pas forcément un de ceux dont j'en ai le plus à foutre, quelque chose à foutre, mais bon. Oh, ce serait Tipol Beerus Tech, ça. Bah signe, y'a dedans. Aide-moi dans ça, c'est le SSR? Ah bah non, c'est le SR, bah super, bah va te faire têter les yeux alors. Qui c'est que ça, c'est Frost? Ah non, Freezer, ok. Freezer, j'allais dire SSJ3, n'importe quoi. Freezer, troisième forme, et c'est un SR. Ok. Oh, ça j'aime bien quand je vois ça là, le SSJ2 direct. Ça j'aime bien ça. Dernière fois que ça m'a fait ça, c'est parti en SSJ3 cache quoi. Ah bah pas là. Non, pas là. Et tout ça pour me donner du Piccolo SR. On s'en bat les steaks. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça sent... Oh non, t'es sérieux? Oh, il y a un deuxième SSR dans le tirage. Oh, bien le virus. Bien le virus SSR Tech. Bah écoute, ça fera toujours un autre perso. Bon, c'est bien, il me donne des SSR du portail, mais c'est pas exactement ce que je veux, quoi. Putain, tu penses bien que ceux qui sont le plus demandés, le plus recherchés, tu penses que ça va être les derniers que tu vas dropper. Hein. C'est comme le Tsukishima, là, dans le portail sur Bleach, hein. Attends, ma bite, ouais, j'ai eu tous les persos du portail, l'exception de Jackie. Mais bref, on s'en bat les steaks, mais... Là c'est pareil, tu vois, je veux le Jubai Kaioken et je veux le Végéto Super Saiyan pour pouvoir maxer ma team agilité. Et tu vas voir que j'aurai ni l'un ni l'autre. Oh, bien le nombre de capsules là. Sympa. Bon. Bah, transforme-toi quand même, tu me fais peur. Je suis en train de me rendre compte que j'ai aussi une espèce de vieille voix de camionneur là, putain. La vache. CJ1, fantastique. Ça peut me donner du C16, formidable. Oh mon dieu! Oh my god! C'est quoi ce portail pourri? Ah, alors, ce Goku là peut être intéressant. Pour moi, non. Mais si vous ne l'avez jamais droppé, pour vous, ça peut être bien. Parce qu'il faut savoir que ce Goku dispose d'un éveil d'Okan qui lui permet de passer en Super Saiyan divin. Vous savez, avec les cheveux rouges. Et il aura rouge autour de lui. Donc si vous ne l'avez pas encore, ça peut être intéressant. Alors, tout ça pour me donner quoi? Encore du couleur. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Du Tenshinhan. Fantastique. Yamcha. Bah oui, bah tu me sors Chaos au prochain là. Ah non, Krillin, je l'avais oublié celui-là. Effectivement. Bon, bah c'est bien, on a la team des plots au grand complet. Quasi, il manquait plus de Chaozo. Puis on était bon. Mais c'est trop génial le portail God Tier. Je suis tellement heureux. Putain. Tout ça pour me dropper quoi? Deux sels SSR quoi. J'hallucine. Et un virus. Attends, par contre c'est la festival que je suis en train de dire, c'est le festival du tech quoi. Entre les deux sels SSR plus le virus tech. Oh putain, Satan par la gauche, il se transforme pas. Oh le bye bye les gars. Oh putain. Ah bah je préfère ça. Bah je préfère nettement ça quand même. Même effectivement si c'est pas le top. Putain allez, relâche l'arc-en-ciel, te transforme pas. Fumiste. C'est lui que je veux. C'est lui là, dans le jeu là, je le veux là. Là, ici, tu vois lui, là, je le veux dans l'écran là, là, tout de suite là. Ah non, pas lui, non, il manque un peu de cheveux lui.
Oh, j'en ai marre de le voir, lui. Mais ouais! Ah, je craque complètement. Je crois que là, je vais prendre un Doliprane, c'est pas à cause de ma crève, c'est vraiment à cause de ce portail qui va me faire m'arracher les cheveux, quand même, cogner la tête contre tous les murs. C'est un truc de malade, quoi. Te transforme. Putain, il me lâchera pas un SSJ3, tordu, hein. Il me lâchera pas, le crevard. Allez, vas-y, relâche-moi ton badak SR, là, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu me sors, hein? Sel? Ah, non, un bout. Un bout colo. Oh, pas écouté. Un Tao Pai Pai, fantastique. Et NC18. R, fantastique. Et encore ce foutu Piccolo puissance. Mais c'est trop de la balle ce portail, je jure, j'adore. Bon, pour l'instant, il y a quand même 4 SSR qui sont tombés. Hein. Si on prend les choses séparément, si on se détache un petit peu de toutes ces conneries, j'ai quand même 4 SSR qui sont tombés. 2 Cell Tech, le Beerus Tech et là, à l'instant, le Freezer 100% Endurance. Pris séparément. Ça peut être intéressant, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est comme sur Bleach, quand tu commences à maxer tous tes persos, tu commences à avoir fait le tour du jeu, que voilà, à un moment donné, c'est que t'as envie de stuffer un petit peu autre chose, quoi, te transformer. T'as envie de looter un peu autre chose comme genre de perso, quoi. Quand tu veux parfaire un petit peu tes équipes, quand tu veux les perfectionner, bah, c'est que tomber sur ce genre de perso. Oh putain, là, bon dieu! Oh, le CJ3 du Turfu qui sort de nulle part, mon gars. Ah, qu'est-ce qu'il me sort? Alors, je te préviens, me sort pas un SR à la con. Ouais, c'est ça, elle fait bien durer le suspense. Toi, dégage. Dégage, je veux pas dans ta gueule. Dégage. Oh putain. Comment je la sens mal l'affaire là? Qu'est-ce que c'est que ce bug là? Il est où le perso qui va avec le SSJ3 là, bordel de merde? Il est où? Tu vas garder suspense jusqu'à la fin, dis-moi. Ah bah oui. Yeah, yeah, yeah. Ça, ça fait plaisir, putain. Ça, c'est bon. Ça, c'est bueno. Voilà. Impeccable. En plus, je suis en train de monter son arbre de compétences. Il m'en fallait un, mais c'est parfait. Mais voilà, voilà, mais donne-en plus des comme ça, putain. Ah, c'est bien, depuis tout à l'heure, il n'y a que du tech qui tombe. C'est impressionnant, il n'y a que du tech entre les Cell Tech, le Beerus Tech. Putain, maintenant, le God Tier Tech, quoi. Gotex SSJ3. Ah, bah enfin. Enfin. Bon, c'est un perso que j'avais déjà, mais en attendant, comme je vous disais, je vois l'avantage que je vais pouvoir monter son arbre de compétences. C'est toujours ça de prix. C'est, je me voyais mal vous faire les 78 invoques en single, quoi. Ça risquait de faire une vidéo d'une heure à la longue, donc je pense que vous avez peut-être un petit peu autre chose à foutre, et moi aussi. Oh, dis donc. Le soleil qui se pointe par la fenêtre. Ah, et puis vous avez remarqué que cette vidéo est 2 jours, ça change, hein. C'est plaisir. J'ai cru qu'il allait m'en sortir un autre. Bon, on a eu Satan par la gauche sans se transformer, on a eu le SSJ3 pendant la cinématique, on a eu pas mal de relâchés arc-en-ciel, ouais, ça va, dans l'ensemble, c'est plutôt bien. T'avais pas juste l'impression qu'il vient de me le donner celui-là? T'es. Voilà. Le jeu souffre d'Alzheimer, il se souvient plus des persos qu'il vient juste de me donner, mais on donne le même, tu sais, au cas où il aurait zappé. C'est pas brillant tout ça, hein. C'est pas brillant, c'est pas brillant. Ah, bah d'accord. Ah, des fois que tu te souviendrais plus. Ah oui, c'est voilà aussi. Il se souvenait plus. Attends, je lui donnais un Trunks déjà, mais je savais plus lequel. Alors dans le doute, je vais lui donner l'agilité et le puissance, tu sais, comme ça, histoire de bien. Putain. Oh mon dieu. Et le Végéto, il tombe quand, là, bordel? Le Végéto ou Jubai Kaioken, là, ça tombe quand, ça, nom de Dieu? Les 14 dernières. Je me demande si je ferais pas, là, tu sais, genre sur la fin, la dernière multi, tu vois, histoire de... je vais voir. On va voir comment ça se passe. Là, ça tombe par la droite, je m'attends à rien de bon. Ah, on a quand même une petite transformation Super Saiyan, bon. Limite, on peut espérer un petit SR qui pourrait tomber. Bon, ouais, bon, SSJ1, à mon avis, faut pas trop en demander non plus. Ouais, Magueta, super, allez, bonne journée, merci d'être venu, à la prochaine. Fantastique ce portail, fantastique, j'adore. J'ai l'impression que maintenant ça veut plus rien dire, pendant un temps les animations, les types d'animations particulières qu'il y avait avant qu'une invoque se fasse, ça voulait vraiment dire quelque chose pendant un temps. C'est là ce qui vient de se passer là, juste avant, là, le relâche arc-en-ciel avec une transformation directe, la plupart du temps c'était synonyme de truc de ouf, quoi. Mais maintenant, que dalle. Là, tout à l'heure, j'ai eu 3 capsules, un pauvre Saiyan 2 pendant la cinématique, et puis je tombais sur un Cell Tech. Donc, tu vois, un SSR, donc... j'ai l'impression que maintenant, c'est complètement random, quoi. Ça veut absolument plus rien dire, quoi. Oh, bien. Oh, pas mal. Ah, c'est pas mal. Tu vois, voilà. C'est cette transformation-là, c'est cette cinématique-là dont je parlais, tu vois. Il se transforme cash, direct, pas au moment de lancer le caméra, non, direct. Là, SSJ2, et qu'est-ce qu'il... Là, normalement, il y a eu un temps où c'était synonyme de dinguerie qui allait tomber. Et là, il me sort...
Super, trop bien. Un C18, une C18 puissance SR. C'est trop de la balle. Franchement, c'est de la bonne biche. Je viens par devenir dingue avec ce jeu. Hein. 3 capsules, ok. Oh là, ça me dit que dalle. Tu le sens, ton rare là qui va tomber là, tu le sens? Je l'avais dit. Je l'avais dit. Ah, rare de merde. Puissance. Super. Putain, je voulais deux persos absolument. Et puis voilà, encore une fois, tu vois. Mais tous les persos comme ça, tous les gros persos de ouf, je passe tout le temps à côté. Et là, t'as un bol d'avoir un portail exclusif God Tier, mec. Et qu'est-ce que j'ai? Un doublon. Putain, c'est incroyable. Ah, j'ai la preuve formée que ce jeu se fout de ma gueule, hein. C'est obligatoire. Enfin, je sais pas, là, ou alors c'est le retour de karma à cause de toute la chance que j'ai lâchée dans Bleach. Je sais pas, mais y a quelque chose, quoi. Là, ce portail, il me sort par tous les trous. Oh, ah, mais oui, c'est la troisième fois de suite, là, hein. Même pas 5 minutes que tu me le sors, mais putain, mais donne-moi quelque chose de valable au bout, quoi. Mais me sors pas tes conneries de SR à 2 balles, là, qui veulent rien dire. Regarde-moi ça, il va encore m'en filer un. Oh, c'est tellement ignoble. Bojack, quoi. Pfff, mon dieu, quoi. Bah voilà, c'est tout ça pour sortir des SR minables. Des trucs pourris à chier, je te fous, mais royalement. Mais non, mais par contre, tout ce que tu veux à côté, que tu les loot dans les... Enfin, que tu tentes de les dropper dans les loteries régulières ou dans les loteries spéciales comme on a là, mais ma bite, y'a rien qui tombe que dalle. Rien de rien, quoi. Incroyable. 4 ça encore SSJ2, quoi. Je suis tellement blasé, en fait. Quelqu'un disait sur le live dimanche soir, sur le live de Bleach, qu'il avait arrêté Bleach parce que justement il en avait ras-le-bol que le jeu, entre guillemets, se foute de sa gueule pendant les invocations, dans le sens où il avait que de la merde. Bah écoute, moi j'avais répondu clairement à cette personne qu'effectivement moi j'ai la même sensation sur Dokkan Battle, où franchement je drop jamais rien, mais rien. Enfin là, le Celtec perso, je m'en bats les rognons, bon je verrai ce que je peux faire sur son arbre de compétences, mais... En soi, je m'en fous totalement. Le freezer puissance max, je prévoyais pas forcément de le up. Et c'est pas lui que je voyais en premier. Et derrière, bah le... Oh, attends, est-ce que je m'en ferai pas une dernière Ouais, vas-y, laisse tomber, je vais me les faire en multi jusqu'au bout. Puis basta, quoi. Oh, mais en single, pardon, pour multi. Histoire de faire durer le suspense, tu sais, sur le fait que je vais avoir que de la chiasse jusqu'au bout, quoi. Ah, un petit relâche arc-en-ciel, bah et merde, il se transforme, bah. Donc du coup voilà, moi j'ai de temps en temps quand même du bol, effectivement, enfin même si les dernières invocations sur Bleach étaient quand même plus qu'excellentes, même la dernière de dimanche, bon, était pas folle, mais en attendant je m'estime très heureux de ce que j'ai eu, mais là aujourd'hui je suis blasé. Regarde ça, il me sort un SSJ2 pour la cinématique, ça pour me prendre un Krillin, un SR, un tech de dégueulasse, quoi. Ouais. Ça va, je la fais bien la tête du mec blasé. Qu'est-ce qu'il sait que ça? En fait, je crois bien qu'ils ont pris tous les portails existants depuis le début du jeu, puis ils en ont fait un seul. Voilà. En gros, t'as 600 persos dans le même portail. Oh, putain. Voilà, très bien, magnifique. Ah, il était, lui, il est beau. Lui, je le voulais absolument. Lui, lui, il est parfait. Lui, si vous devez en garder qu'un, ce sera lui. Voilà, lui, il est fantastique. Ah, bon, enfin. Il est du bon côté, mais attends, ça veut rien dire après. Ah bah oui, il se transforme pas. Ça peut être bon signe, comme pas du tout. En l'occurrence, pas du tout. Alors vraiment pas. J'en faisais tout un pataquès de ce putain de portail en me disant ça y est, je vais enfin avoir les gottières qui me manquent et tout. Que dalle. Puis non, fallait pas te transformer, ce que j'ai pigné. Je suis tellement dégoûté, j'imagine même pas là-dedans comment que ça tourne. Bah oui, tout à fait, ouais, c'est gileux, allez, vas-y, quelle chiasse tu vas encore me sortir. Froid, Goten. Pas possible. Ignoble. T'es juste ignoble, t'es infâme, jeu de merde. T'es juste infâme, quoi. Putain, je le crois pas, quoi. Ah bah y'en a plus. Mais c'est tellement dégueulasse ce qui vient de se passer, c'est infernal. Putain, c'est infernal. Là, j'ai légèrement le seum, comme on dit dans le milieu. Ouais. Là, tu vois, je reste un petit peu sur la même sensation de fin que sur le live de Bleach, tu vois, où voilà, j'avais des super persos qui me tordaient la main, et puis il n'y en a pas un qui est tombé, quoi.
À la limite, si, comme je disais, bon, le seul truc que je retiens de positif, c'est que je vais pouvoir débloquer une partie de l'arbre de compétences de Gotenks. Je suis en train de sombrer dans un niveau de blazerie, vous imaginez même pas, je suis trop fou, quoi. Là, ça y est, toute ma chance, elle a foutu le camp, là, c'est ignoble, c'est ignoble. Bon, histoire d'en rajouter une petite couche, n'hésitez pas à me dire si vous avez droppé quand même des bons trucs, je voudrais juste me rendre compte si c'est vraiment moi qui ai définitivement pas de bol, ou si c'est que vraiment c'est une tendance générale que personne ne drop vraiment les bons persos, quoi. Enfin, vraiment me rendre compte au travers de ce que vous avez eu, savoir s'il y a vraiment des bons trucs qui sont tombés, vraiment, voire même en plusieurs exemplaires, bah, savoir, ça se trouve, vous avez peut-être eu, je sais pas, une connerie, moi, le Jubai Kaioken, vous l'avez eu 4 fois en 50 tickets, quoi, tu sais, voilà. Là, comme certains ont su me dire sur le live de Bleach, il y en a qui ont dépensé 250 orbes, ils ont eu Tsukishima en double. Da fuck. Moi j'en mets 10 fois plus et je le tombe même pas, quoi. Enfin, bah bref, quoi, tu vois. Bah. Y a aucune justice dans ces loteries de merde, c'est incroyable, c'est incroyable. Là je me mets à votre place, là je sais ce que vous ressentez par rapport aux derniers, aux dernières invocations de Bleach, hein. Je sais. Là je comprends, et je compatis. Et c'est promis, je recommencerai pas. Je serai gentil avec vous dorénavant. Comprenez-moi bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme d'habitude, vous connaissez les bails, hein, on change pas une équipe qui gagne. Un petit commentaire sur la vidéo, Facebook, Twitter. N'hésitez pas, je reste naturellement à votre disposition. N'hésitez pas non plus à lâcher, j'ai pas l'habitude de le dire, mais ça fait du bien de temps en temps. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a fait plaisir. Et pour ma part, je vous laisse, je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.